Alors, je voudrais parler maintenant d'un de, des derniers articles euh, qui m'a été demandé par la revue du Moos, Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales ». Donc, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, je pourrais même dire, un numéro sur « Que donne la nature ?». Et ils étaient intéressés par avoir un témoignage sur la vision inuite euh, de la relation des humains avec la nature au sens le plus large possible. Et j'ai choisi de le centrer sur le personnage de Narjuk, cet esprit maître du cosmos, du Silla, donc maître de l'univers, de l'atmosphère, et polyvalent, et qui est une entité euh, mouvante, euh, pouvant changer de de taille, de dimension, d'échelle, pou pouvant se métamorphoser ou apparaître sous forme d'avatar de l'un ou l'autre sexe. C'est un nain géant. Qu'est-ce que ça veut dire, un nain géant ben, C'est un nain capable de prendre la taille de son adversaire, de se gigantiser. Mais est-ce qu'on n'a pas là une métamorphose À travers le changement d'échelle, on passe, de, on dirait, de l'infra-humain au supra-humain. Et est-ce qu'on n'a pas là quelque chose déjà présent dans le cosmos quand un beau temps se transforme en orage, quand un, un pénis flacide entre en érection Mais tout ça, ce sont, on a ça dans la nature et on en trouverait d'autres. Quand un, un, un arbre, quand la sève revit, bourgeonne, les feuilles sortent, l'arbre double ou la plante double de grandeur, tout est changement d'échelle. Un bébé euh, qui marche à peine et qui trois quatre ans après saute, euh, court euh, et puis grandit et puis que d'une génération à l'autre les tailles changent, les tailles augmentent, bref tout est transformation et quand euh, le vieil adage dit dans la nature rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais c'est ça que ça veut dire aussi. On, est, on vit dans un monde en transformation et c'est nous qui fabriquons des entités fixes, des repères fixes, comme si la réalité était ça et que le réel, c'est une route tracée. Là, on n'a pas le droit de doubler, là, il faut s'arrêter. Mais non, c'est pas ça. Là, ce sont des codes que nous inventons, que nous imposons. Pour éviter, très bien, les intentions sont bonnes, mais le, le réel est mouvant. Et on le voit, les tremblements de terre, les catastrophes. Alors, euh, Nardjouk, c'est tout ça. Et euh, j'en fais maintenant même euh, le chapeau, la clé du grand modèle cosmologique que j'ai essayé d'élaborer à travers ces 50 ans de discussion avec les Inuits, d'essais, d'interprétations, essais, erreurs, et... CRE. et quelque part je le transforme continuellement en essayant de le rendre encore plus adapté à cette réalité que les inouïs de la tradition orale expriment. alors modèle asiatique pourquoi? et ça je le raconte dans cet article publié dans le mos euh, de l'année dernière. je le raconte euh, la première fois que euh, je suis invité à l'ulb à bruxelles euh, pour faire euh, parler de la cosmologie Inuit, euh, j'évoque le mythe d'Atungark que j'ai d'abord recueilli dans le Nouveau Québec, où un chaman part d'Ivoïvic, laisse euh, sa petite fille et son fils un peu plus grand à des parents, et ils partent, lui, sa femme et leur bébé nouveau-né, faire le tour du monde. Et il est chaman, il est capable d'escalader les falaises à la verticale. Euh, que les chamans donc peuvent arriver à surmonter euh, la gravité. Et puis ils font le tour du monde, il y a toutes sortes d'épisodes. Et quand ils reviennent à Iwivivik, ils ont rapporté des petits cadeaux, dont un petit sac de perles pour offrir à la petite fille. Alors ils apprennent en arrivant que le fils est mort de vieillesse, il y a déjà plusieurs années, et que et la petite fille la rencontre elle est plus vieille qu'eux. Alors il lui offre les perles, alors elle dit ⁇ Ah, oh, des perles à moi, suis une petite vieille, etc. ⁇ Alors je raconte ce mythe, et il y avait là, dans l'assistance, euh, un astrophysicien de l'ULB euh, qui, je pense, est celui qui a obtenu le prix Nobel de chimie euh, l'année d'avant ma venue à l'ULB faire cette... et qui me dit, mais monsieur, savez-vous, ce que vous nous dites est extrêmement intéressant, la physique moderne cherche à créer l'unité des physiques de la physique de l'infiniment petit et la physique de l'infiniment grand. Ben, les Inuits semblent avoir trouvé un modèle qui le fait. Étrangement, il y a une semaine ou deux, deux jeunes astronomes au pôle sud ont enfin pu prendre une photo d'un télescope où il y a une clarté extraordinaire là-bas, une visibilité de 300 000 ans après le Big Bang, 300 millions d'années, pardon, après le Big Bang, qui vient illustrer une théorie, mais jamais euh, vérifiée, de l'unité de la physique. Pour la première fois, on peut penser qu'on est sur la voie de cette théorie unifiée de la physique, qu'Einstein recherchait. Et il me dit, mais vous savez, Einstein s'est inspiré d'un mythe sibérien, disons exactement la même chose que ce que racontent les hindouites, que les chamans dans leur voyage, euh, le temps est beaucoup plus court. Et quand ils arrivent, ils voient, euh, ça a pris deux ans, alors pour eux ça a pris, euh, mettons, je ne sais pas, une semaine ou deux. Et euh, donc, première expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a fait écrire d'ailleurs un, un article en hommage au centenaire euh, d'Einstein que j'avais publié dans L'Homme, euh, que j'appelais à ce moment-là Petit Vente, mais c'était tout à l'heure de ma part, c'était Gros Vente que j'aurais dû dire. L'enfant géant du cosmos inuit. Donc je le reprenais euh, un certain nombre de dizaines d'années plus tard. Et voilà qu'un autre colloque où on m'invite par des psychologues systémiques qui se distinguent de la psychologie freudienne euh, tout en étant euh, psychiatres, psychanalystes, etc., parce qu'ils ont une approche sociale. Ce n'est pas une, des thérapies individuelles qu'ils font, c'est toujours une approche dans le milieu, dans le, dans le groupe, le cadre, etc. Et ils étaient passionnés par euh, mon premier article sur le troisième sexe ou troisième sexe social. Et ils m'ont fait venir, et j'avais à côté de moi qui parlait juste après euh, Christopher Schipper, le néerlandais qui a occupé la chaire pour le taoïsme en cinquième section des sciences religieuses, et puis Toby Nathan, le célèbre psy-thérapeute, etc. Et puis moi, je parle du troisième genre, et euh, apparemment, euh, l'audience est captivée parce que euh, ce n'est pas un discours hab habituel qu'on tient. Actuellement en Occident, avec le judéo-christianisme, cette espèce de binarisme auquel nous nous sommes enfoncés ou engoncés, qui ne faisait pas partie forcément des messages originaux. Et euh, Skipper me dit Mais tout ce que vous nous dites, c'est du proto-taoïsme chinois. Avant l'écriture, la tradition orale, avait une tradition avec des entités du genre de cet enfant dans le cosmos et puis euh, alors ça m'a fait réfléchir alors je ne suis absolument pas compétent pour en dire tellement plus sur ce proto taoïsme mais ça m'a fait beaucoup réfléchir et voilà que en 2013 en juillet alors que je peinais à écrire cet article et surtout à interpréter un mythe collecté euh, dans le Nunavik qui parle un peu de fin du monde, un chaman qui a la capacité de domestiquer les animaux, qui en profite pour se constituer un énorme troupeau de caribous à son profit et celui de sa famille, alors qu'il distribue, mais qui rend dépendant tous les autres, qui oublie les techniques de chasse, et, et lui veut garder ça aussi pour son fils, qui forme au chamanisme, mais qui devient un méchant chaman. Et bon, qui va faire des vols chamaniques, qui a des mésaventures et qui fait des ententes avec de mauvais esprits et en fin de compte, pour qu'ils le retienne, et pour lui permettre de revenir, obtiennent de lui qu'il fasse en sorte de faire mourir tout son groupe par une sorte de magie noire. Et c'est ce qui se passe. Et euh, toute la population inouïte qui vivait sur une île, disparaît. Et pour penser à ça, il a fallu que j'entende une émission France Culture en juillet 2013, un, un Vietnamien, un nommé tuan, euh, son nom de famille, très populaire aux États-Unis, et puis maintenant en France aussi, qui est un, un brillant astrophysicien. Et je l'entends faire une émission, il dit, moi, je travaille sur les bébés galaxies. Déjà, ça me frappe. Les bébés qui n'ont que 3 milliards d'années par rapport au Big Bang et au lieu des 14 millions et demi. Ou... Et il dit, pour comprendre la genèse du cosmos. Et dans mon esprit, un déclic se fait, une connexion neuronale, un synapse. Mais qu'est-ce que je fais, moi, depuis 30, 40 ans J'étudie. La conception inuit de la grossesse, du fœtus, la naissance, pour comprendre la cosmologie. Car j'ai trouvé des liens, des affinités, des analogies. Et, et alors je l'écoute attentivement, je vais chercher, j'achète de ses livres, il a eu énormément de livres en, en, en livre de poche. Et il est devenu un des, un brillant, un des plus brillants mathématiciens, astrophysiciens et spécialiste. Donc certainement qu'il a suivi avec un intérêt considérable ces nouvelles découvertes, parce que ça va dans le sens de ce qu'il fait, de ce qu'il cherche. Et il dit, euh, il y a dans les cosmologies orientales une approche très intéressante, qui est d'abord intuitive et empirique. Et avec ces deux approches, ils arrivent à une conception du monde et du cosmos tout à fait complémentaire de celle à laquelle les mathématiques et l'astrophysique permettent d'arriver. Les deux viennent se compléter. Voilà ce qui me manquait. Premier rendez-vous, ULB, 20 ans après ce congrès systémique, 2013, pour comprendre Narjouk. Et le sens du modèle où je l'insère, c'est ça que j'ai fait. Intuition. Empirisme. Et j'ajoute sérendipité. Terme que j'ai découvert il y a un an et demi, que j'aime pas, qui est tiré de sérendipité en anglais, mais qui est repris du persan et d'un conte persan. Il existait euh, un petit royaume euh, en, en orient, chez l'intermédiaire, ce pas en Extrême-Orient, et euh, ce roi avait trois fils. Aucun n'était intéressé à hériter du pouvoir. Ça le désolait. Alors il décide... De les envoyer en voyage, en disant ça va les faire mûrir et puis là on verra bien celui qui revient le plus. Bien. Ils partent en voyage et ils arrivent à un endroit, un autre pays, et ils cheminent. Et en cheminant, sur ce sentier, le, le plus jeune observe que le côté droit de la route est brouté, mais pas le côté gauche, mais brouté une bande. Et puis, il continue à marcher. Et à un moment donné, après un certain nombre de kilomètres, il rencontre un paysan qui leur dit Vous n'auriez pas vu mes deux vaches J'ai perdu deux vaches. Alors, les deux premiers disent non. Le troisième dit euh, Vous n'aviez pas une, une vache borne Il dit Oui, oui, vous l'avez vue. Alors il dit, est-ce qu'il ne lui manquait pas une ou deux dents à la mâchoire Il dit, mais oui, c'est ma vache, exactement. Alors il dit, mais c'est vous qui l'avez volée. Et il les fait arrêter, emprisonner, et il passe en procès. Et le juge les interroge. Dites-nous, comment vous avez pu savoir qu'elle quel était bonne alors, il me dit, ben, on, on marchait. <laughs> ça, fait, parce que ça paraît tellement bête. Et puis j'ai vu que ce n'était beauté que d'un côté. Et je me suis dit, ben, c'est un animal borne qui a perdu un œil, <laughs> qui ne voit pas l'autre, l'autre côté de la route. Et puis de temps en temps, il y avait une touffe qui restait. <laughs> Donc, il manque une dent à, à l'animal. Alors quand, alors bon, j'avais enregistré ça, et puis quand le paysan nous parle de ses vaches, euh, eh bien j'ai fait le lien avec tout ça. Alors le juge les libère, et le roi, le papa, entend parler de trois fils, les fait revenir. Et donc, il avait réussi son pari. Il avait trouvé lequel d'entre eux avait cette capacité de résoudre les problèmes complexes, insolubles, qu'un bon roi doit être capable de faire. Et donc, ça m'a frappé le jour où des gens m'ont dit, mais... Votre vie, depuis le départ, est faite de sérendipité. Premier voyage en Laponie, vous n'étiez pas parti pour aller là-bas. Et puis vous vous retrouvez un jour là-bas. Et puis vous revenez. Et puis, grâce à cette première expérience, euh, vous postulez une bourse de voyage. Donc, vous pouvez retourner là-bas. Et puis là-bas, vous redécouvrez autre chose. Et puis vous avez un rapport qui est primé, qui vous donne un autre voyage, et puis vous vous retrouvez au Canada, au Québec, à Montréal, à Sheffieldville, -E -E et puis dans le Nord, et puis de fil en aiguille, d'accord, Et puis les événements, la suite, euh, création du département d'anthropologie à Montréal en 60. Euh, bref, à chaque fois, c'était une nouveauté. On crée un certificat de démographie, je fais partie de la première promotion. On crée euh, une formation à l'EPRAS, à l'École des hautes études, études préparatoires à la recherche en sciences sociales, j'en fais partie. Euh, Métro me fait parler sur la parenté, euh, trouve ça euh, nouveau. On parle à Lévi-Strauss, qui m'invite pour le trimestre suivant. Une semaine après, Métro est mort, il s'est suicidé. Tout ça, là. forme quelque part. comme un profil que j'appellerais empirique, intuitif. Et faire le bon choix au bon moment, envers et contre tout ou contre presque tous, parce qu'il y a toujours des gens qui m'ont cru ou aidé, et qui m'ont permis euh, de continuer, de m'exprimer et euh, d'être là aujourd'hui. Alors, c'est ce que je pourrais dire. De plus, alors c'est certain que quelque part, il y, y a du rationnel, quelque part, il y a de la persévérance, quelque part, il y a une tradition. Euh, je suis né d'un père juriste, mais qui était aussi mystique, euh, qui m'a certainement appris d'une mère euh, artiste, et puis troisième genre, deuxième fille de trois. Bref, je suis le produit d'un ensemble, d'un milieu. Euh, tout ça compte. Euh, on, on a bercé mon enfance du roman familial, euh, du sultan Salaheddin, euh, des croisades, etc. Euh, ça m'a aussi sensibilisé, j'allais dire, au nom. Et pourquoi j'ai étudié euh, les généalogies de tous les côtés, que je me suis passionné pour le nom chez les Inuits, l'identité, etc. Bref. Je suis comme tout individu dans la société formé, issu de lignages différents, d'une histoire multiple. J'ai des ancêtres espagnols, des ancêtres peut-être suédois, germaniques, normands, savoyards, basques. Euh, bon, donc, comme beaucoup de gens dans le monde euh, sont le produit de multiples euh, mélanges alliances diverses, etc. La question est, euh, bon, il faut peut-être des gens différents euh, pour occuper différentes tâches, mais il faut sans doute des gens aussi ayant ce profil, ce profil du troisième genre, et ce profil, j'allais dire, des chevaucheurs de frontières, que ce soit euh, immigrants, que ce soit gauchers contrariés, que ce soit socialisés. Dans les deux genres, tout ça sont des chevaucheurs qui sont minoritaires souvent par rapport aux groupes constitués plus traditionnels, mais qui souvent servent à solutionner les, cri les crises, à gérer le changement. Qu'est-ce qu'un changement C'est une crise toujours par rapport au conservatisme, euh, au bien-être, euh, garder toujours les mêmes habitudes. La vie est faite de changements. Et donc, et toute vie humaine est faite de changements, de crises aussi. Et euh, c'est pas par hasard que les sociétés humaines ont, et ça c'est un, un point de vue très personnel, et pas du tout scientifique, euh, ont besoin aussi de ces individus chevaucheurs de frontières pour solutionner euh, ces crises incessantes qui surviennent parfois. Il n'y a pas de crise pendant de longues périodes. Et puis, on parle maintenant de changement climatique, on parle euh, d'évolution, de pollution, etc. Enfin, dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui échappe en ce moment. Et au lieu de vouloir tout résoudre par la rationalité, par, euh, sur un mode opératoire, on n'est pas content de ceci, on se fait opérer. Euh, on ne se sent pas assez beau, on ne se sent pas assez grand, assez petit, assez puissant, assez ceci, assez cela. Et au lieu de trouver avec souplesse une façon de s'adapter à cet environnement social ou naturel, on veut opérer, on veut imposer une marque, un principe, une rationalité, alors que même la pensée humaine, tout en ayant besoin d'ordre et de règles, doit garder cette souplesse, cette vie, et aucune théorie ne résiste longtemps à l'épreuve du temps si elle ne contient pas en elle-même une souplesse et une adaptabilité. Voilà comment je voudrais euh, clore euh, cette, euh, ce long cheminement, qui n'est qu'une vie maintenant qu'on considérerait comme moyenne par rapport à la longévité qu'on nous promet, mais... Euh, qui est faite d'expériences empiriques et de sagacité, mais bon, euh, ça ne se fabrique pas, ça se cultive, ça se, euh, et, et surtout ne pas vouloir à tout prix remplacer tout ça par une logique qui risque d'enfermer, de rigidifier et d'empêcher la vraie observation qui est voir comment les choses fonctionnent. Nous ne sommes qu'un petit élément dans un vaste ensemble. Merci.